Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit José, je suis directrice de la préservation et du développement des collections à la Cinémathèque québécoise, qui est une institution, une association en fait, une OBNL qui approche tranquillement de ses 60 ans d'existence, qui a pour mission d'acquérir, de conserver, de documenter et de valoriser le cinéma québécois et canadien, ainsi que le cinéma d'animation international. On est une soixantaine d'employés à travailler à ces efforts. Donc, comme l'a dit José, en 2017-2018, on a fait une expérimentation avec Wikidata dans le but d'offrir nos données aux citoyens, puis leur permettre de réutiliser ces données-là. Donc, on a organisé, à la fois, on a travaillé avec Wikidata, on a lié nos identifiants de base de données avec les fiches Wikidata, et on a organisé des événements Wikipédia qui visaient à faire participer les citoyens, à les former à cette plateforme-là. Donc, c'est une expérimentation, puis c'est devenu... Depuis septembre 2018, c'est devenu une initiative qui est financée par le Fonds de stratégie numérique du Conseil des arts et du Conseil des arts du Canada. Donc, dans le cadre du volet transformation des modèles organisationnels. Donc, c'est un projet. Donc, si vous voulez, notre expérimentation de l'année dernière, c'est vraiment élargi pour devenir un projet sur le long terme, qu'on espère devenir pérenne, et surtout un modèle qui vise à s'implanter vraiment au sein de notre équipe et à se développer sur 3 ans. Donc, il s'agit pas, je vais vous montrer, il s'agit pas forcément tout de suite d'avoir un projet technologique. Donc, je peux vous parler de technologie du web sémantique aujourd'hui, mais il s'agit d'abord de transformer en interne nos pratiques pour justement que ce soit pérenne, que toute l'équipe comprenne à l'interne, notre équipe comprenne les notions du web sémantique, voit à quoi ça sert, et qu'on fasse pas juste un projet avec des résultats au bout. Donc nos objectifs, c'est déjà la culture organisationnelle, donc développer une culture de données ouvertes à la Cinémathèque, dont je vais vous en parler tout à l'heure, acquérir des connaissances en interne et adapter nos outils, nos bases de données, nos façons de procéder aux outils du web sémantique. La deuxième chose, c'est de partager notre expertise avec les institutions culturelles, mais aussi avec les artistes du cinéma, qui sont sensibilisés quand même à la question de la découvrabilité en général, mais qui ont des questions sur comment faire ça. Donc souvent, ils s'adressent à nous dans le milieu du cinéma, donc on est là pour les accompagner. Ensuite, on a devenir un point d'accès de référence sur les données cinématographiques canadiennes, donc en créant un point d'accès Sparkle ou en développant nos données dans Wikidata. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, c'est en diffusant sous licence libre nos données et en les structurant et en les liant si possible. Et ensuite, la participation citoyenne qui est le fondement, c'est de là que vient vraiment le projet, donc de faire participer les citoyens, les artistes, leur permettre de comprendre ce qu'ils peuvent faire avec ces données pour créer des projets innovants avec, donc vraiment les accompagner dans l'utilisation de nos données. Tout ça, c'est organisé en 3 phases dans le cadre de l'initiative Savoir commun du cinéma. Donc une première dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'est déroulée de juillet 2018 à aujourd'hui, qu'on appelle développement interne. La deuxième phase, qui va durer 1 an, porte vraiment sur une preuve de concept. Et la troisième phase va être vraiment sur le déploiement plus technologique, disons, du projet. Donc, on a constitué une équipe. Il y a 22 personnes qui ont été impliquées dans cette première phase. Donc, autant des personnes de la Cinémathèque que des partenaires externes. C'est à peu près moitié-moitié. Donc, la Cinémathèque québécoise, ce qu'on apporte, nous, c'est vraiment la connaissance des contenus de notre base de données nous-mêmes. On a beaucoup travaillé avec l'Université de Montréal, plusieurs partenaires, autant en muséologie numérique, pardon, en co-design également, et au niveau des contenus. On a travaillé avec Wikimedia Canada, qui nous apporte plus une expertise sur l'utilisation des données, comment faire participer les citoyens à ça, et puis avec des consultants qui nous apportent une expertise juridique, notamment technique, et des institutions culturelles qu'on a souhaité intégrer pour partager, en fait, notre expérience. Donc, on a notamment convié Philippe Michon et Saint-Germain, qui sont venus, qui avaient déjà une expérience en web sémantique, donc qui nous permettent de partager leur réussite, leurs échecs, puis comme ça, de pas recommencer, nous, avec les mêmes problématiques, puis d'avancer. Donc l'objectif, c'était vraiment, la première phase, c'était vraiment juste de mener une réflexion sur les données
qu'on avait à la Cinémathèque, sur voir ce qu'on pouvait en faire, puis comment on sensibilise l'équipe à ces problématiques-là, et de réunir nos partenaires. Donc il n'y avait aucun développement technologique, aucun résultat technologique à apporter. Puis ça, c'est important pour nous, mais en même temps, c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation entre mise en œuvre technique et transformation des pratiques, parce que même si on ne veut pas faire un projet technologique dans cette première phase, on est quand même obligé d'apporter les informations technologiques, les outils technologiques pour sensibiliser l'équipe, pour qu'ils voient en même temps à quoi ça sert. Donc c'est tout un jeu entre développer en parallèle qu'on transforme nos pratiques. Ça, c'était un apprentissage. On a organisé, je vais vous parler comment c'est organisé, puis après je vais vous parler de ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas forcément marché. Donc, on s'est organisé en 4 groupes de travail. Donc, on a réparti ces 22 personnes dans des groupes de 4 à 6 personnes, en gros, organisés autour de 4 thématiques. Le premier, c'est le développement interne-externe. Ce groupe-là avait, donc, à chaque groupe, on a des personnes de la Cinémathèque québécoise et des partenaires externes. Donc, l'objectif de ce groupe-là était de former l'équipe de la Cinémathèque québécoise, de rédiger une politique d'ouverture de données à l'interne pour la Cinémathèque, de partager les connaissances avec les artistes et les institutions. Le deuxième groupe, c'était mise en œuvre technique. Donc là, c'était vraiment les aspects plus techniques, donc de voir ce qui était possible de faire avec nos données techniquement, de voir comment on voulait procéder, notamment entre Wikidata, on a travaillé sur CIDOC-CRM, voir est-ce qu'on voulait se lancer là-dedans. Donc faire des choix techniques et acquérir des connaissances à l'interne sur le web sémantique. Le troisième groupe qu'on a appelé contenu et juridique, donc c'est de choisir nos corpus de données, de les évaluer, de dire, bon, parce qu'on a les données, mais on a les archives, donc de dire quelles données est-ce qu'on trouverait intéressant de rendre accessibles. Et en même temps, c'est en lien forcément avec les aspects juridiques, quelles données on peut rendre accessibles. Donc on a travaillé avec un consultant pour ça. Et on a fait un rapport sur le droit d'auteur pour les données culturelles. Je vous en parle tout à l'heure. Ensuite, le quatrième groupe concernait la participation citoyenne, donc comment on organise des événements, quels événements on veut organiser, puis comment on essaie d'expliquer nos données, puis de voir ce qu'on peut faire avec. Premier enjeu, je te dirais, c'est comprendre et faire comprendre. Déjà, comprendre soi-même le web sémantique, c'est pas évident à l'interne pour une institution culturelle qui n'est pas... On a une base de données, mais c'est pas notre cœur d'activité de diffuser nos données. C'est vraiment la conservation, la programmation en salle. Donc, c'est de comprendre nous-mêmes et de faire comprendre à l'équipe. Donc, pour ça, on a organisé 3 sessions de formation au sein de la Cinémathèque québécoise. Et puis, on a commencé par introduire Wikipédia, tout simplement, pour reprendre les fondations. Donc, c'était l'idée, c'était de démystifier Wikipédia pour commencer à aborder des questions de web sémantique. Ensuite, on a commencé à introduire Wikidata, qui permet d'introduire des notions aussi. Puis là, pour l'instant, on s'est un peu arrêté là. On va continuer dans la phase 2 et 3, mais je vous dirais que c'est déjà beaucoup de faire comprendre ça, parce qu'on touche vraiment toute l'équipe de la Cinémathèque, donc des gens qui vont s'occuper de la communication, des gens qui vont s'occuper de gérer les accès aux gens, enfin vraiment, vraiment tout le monde. Et on s'est rendu compte que déjà, les questions qui se posaient, c'était vraiment au niveau, vous voyez le schéma au niveau des techniques qui permettent de passer des données ouvertes au web sémantique, ben, c'est valable techniquement, mais je trouve que c'est valable aussi au niveau de l'apprentissage interne. Il faut d'abord passer par l'explication des données ouvertes, ensuite données ouvertes et liées, pour arriver ensuite au web sémantique. Donc là, on a passé comme 2 étapes, je dirais qu'on a la deuxième étape. Et les questions qu'on a, c'est... Ben, pourquoi ouvrir nos données? Enfin, c'est quoi ouvrir nos données? Pourquoi il y a besoin de les mettre sous licence libre? Elles sont déjà sur notre site web. Qu'est-ce qu'un jeu de données? Donc tout ça, c'est des questions à expliquer. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ça sert à quoi? Donc déjà, rien que faire comprendre ça, c'était un défi. Et la façon dont on a pu faire comprendre ça, on a organisé ensuite 3 grosses rencontres avec vraiment toute l'équipe, donc la vingtaine de personnes qui étaient concernées. Et la troisième rencontre qui a bien fonctionné, donc on a essayé de trouver des manières collaboratives aussi de travailler avec l'équipe interne et les partenaires pour que chacun des parties puisse s'enrichir mutuellement. Donc les partenaires apportaient l'expertise technique, l'équipe de la Cinémathèque les connaissances sur les contenus. Donc on a fait un gros brainstorming où on réunissait une personne de la Cinémathèque avec une personne, un partenaire. Chacun devait choisir un jeu de données que j'avais sélectionné. Donc ça pouvait être des données de la Cinémathèque et l'équipe de la Cinémathèque devait choisir des données de la Cinémathèque. Les partenaires devaient choisir un jeu de données qui était extérieur à la Cinémathèque.
On les formait par duo, en fait. Et chacun devait trouver un projet qui exploite leurs deux jeux de données. Donc, il pouvait ne pas y avoir de lien. Des fois, c'était incompatible. Des fois, ça créait des projets autres. Mais ça, je trouve que ça a permis vraiment. Puis après, on réunissait à la fois par groupe de quatre. Puis après, on partageait les projets. Ça, c'est un bon projet qui a permis de faire comprendre à l'équipe interne de vraiment d'échanger avec les partenaires. C'est un moment fondamental. Et de comprendre à quoi ça servait d'ouvrir des données. Donc, d'ouvrir des données, puis qu'est-ce qu'était un jeu de données. Puis je pense que ça a permis aux partenaires de mieux comprendre aussi les données de la cinémathèque, puis de discuter avec l'équipe interne et d'avoir des informations sur les contenus même, puisque c'est souvent le jeu entre ces deux aspects-là qui compte. Finalement, c'est très long à mettre en place. On avait prévu une première phase de 8 mois. On est en train de la finir. Quelque part, je la finis avec cette présentation-là. Et parce que c'est long de former l'équipe interne, que j'avais pas prévu aussi longtemps. Mais c'est quelque chose de fondamental. Ça permet de poser des bases solides pour ensuite faire avancer. Et puis finalement, il y a 5 personnes au sein de la Cinémathèque qui contribuent désormais régulièrement à Wikipédia, de manière très active, donc ça c'est déjà un bon point. Mobiliser l'ensemble de l'équipe, donc comme je l'ai dit, on les a sensibilisés, maintenant c'est de les amener à porter concrètement des actions, puis à comprendre comment ils peuvent s'investir dans ce projet-là. Donc, pour ça, on a créé une politique d'ouverture de données, on l'a rédigée, elle est diffusible et elle est diffusée est accessible en ligne. Je m'excuse pour les partenaires qui ne l'ont pas encore reçu. J'ai d'abord diffusé en ligne avant de l'envoyer à nos partenaires. Mais, excusez-moi. Donc c'est une politique qui devient un vrai projet institutionnel, qui rend ce projet institutionnel et qui a été approuvé par le comité de direction de la Cinémathèque québécoise, donc qui est vraiment arrivé au niveau de la direction générale, qui a été approuvé, qui a été discuté. Cette politique-là, elle a permis d'engager une discussion en comité de direction justement sur les enjeux de données ouvertes seulement, en termes de droits par exemple, en termes, ce qui revenait aussi, c'est la permanence des données, le fait d'ouvrir les données puis de dire c'est permanent, on peut pas les retirer puis ensuite enlever l'usage, donc il faut qu'on soit sûr de ce qu'on veut ouvrir. Ça, c'était quelque chose de un passage à effectuer, je dirais. Dans cette politique, donc la Cinémathèque s'engage à reconnaître l'intérêt de l'ouverture des données en termes de mise en valeur du cinéma, en termes de contribution au développement social, culturel et en termes d'innovation. On a adopté les 10 principes de la Sunlight Foundation. Par contre, ce qu'on n'a pas adopté et ce que font souvent les villes, c'est l'adoption des données ouvertes par défaut. Je pense qu'on n'en est pas encore là, donc nous on va aller dans une sélection de données parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'étape où on peut dire toutes les données qu'on produit, elles vont être accessibles. Ce sera peut-être plus tard, mais pas maintenant. Les aspects juridiques, cette loi, donc la politique reconnaît qu'on doit respecter, qu'on respecte dans tous les cas la loi sur le droit d'auteur et la loi sur la protection des données personnelles. Ça, c'est vraiment fondamental. Et puis, elle précise également les droits accordés aux utilisateurs sur nos données. Donc, notamment, on va rendre accessibles nos données sous licence CC BY-SA ou CC0 quand on va les mettre dans Wikidata. Et ensuite, surtout, la politique vise à définir les responsabilités au sein de l'équipe interne. Donc, comment on va permettre de mettre en application cette politique? Là, on a déterminé qu'il y avait le comité directeur qui allait approuver la politique et approuver tous les changements suivants. On a déterminé qu'il allait avoir un responsable de la politique de données ouvertes qui sera tenu de veiller à son application, de faire le lien avec les équipes et de récolter un peu toutes les données pour les rendre accessibles. Et ensuite, un responsable de chaque département, puisqu'on a 5 départements au sein de la Cinémathèque, un département dédié à la préservation des collections, un département lié à la diffusion des collections, un département de communication et d'administration. Donc on veut que tous ces départements-là soient impliqués, donc on va nommer un responsable dans chaque département qui va être chargé de repérer les données qui pourraient potentiellement être ouvertes. Donc ça va être mis en application prochainement. Une autre, je vais aller vite là-dessus, un autre défi, c'est de voir les opportunités offertes par nos données. Ça, c'est pas évident quand on n'a pas les compétences, notamment en termes de web sémantique, donc c'est beaucoup apporté par nos partenaires externes, d'où l'importance d'avoir vraiment des gens qui viennent de l'externe, qui, eux, voient le potentiel de nos données.
Et dans la politique de données ouvertes, donc on a défini qu'on allait choisir nos données en fonction du potentiel de réutilisation, en fonction des considérations juridiques, en fonction des considérations techniques également. C'est-à-dire qu'on va faire trouver un juste milieu entre le temps qu'il va falloir pour les structurer, pour rendre nos données lisibles et interopérables, et l'intérêt que ça a. Donc pour nous aussi, on pense à notre, on est une petite équipe, donc on fait en sorte que ce soit réalisable. Les contraintes juridiques. Donc, on a fait un rapport qui sera bientôt diffusé, probablement cette fin de semaine ou lundi, sur notre carnet de terrain, qui s'appelle « Enjeux en droit d'auteur de la diffusion libre de métadonnées culturelles ». Donc, on a travaillé avec Olivier Charbonneau, qui est bibliothécaire et qui détient un doctorat en droit d'auteur. Donc, qui a étudié les questions à aborder quand on veut ouvrir des données. Donc, les questions juridiques à se poser. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce rapport-là. Deux choses principales, c'était vraiment faire la différence entre données et archives. Ça, c'était vraiment important. Définir, puis l'enjeu, finalement, il est de définir où se trouve l'originalité des données. Il y a des données qui sont considérées comme des faits. Donc, dans ce compte-là, il n'y a pas de droit d'auteur qui s'applique dessus. On peut les diffuser. Mais à un moment donné, plus on rentre dans le détail, plus on rentre dans ce que fait l'organisation, plus on a des chances d'arriver dans l'originalité des données. Par exemple, un résumé de film devient un contenu original. Le titre d'un film, c'est un fait. On va l'ouvrir sans problème. Puis entre les deux, il y a des cas de figure qui sont un petit peu plus problématiques. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop quoi faire, donc il faut les étudier plus précisément. Donc, tout ça, il nous aide là-dedans. Excusez-moi. Une des grosses problématiques également, c'était évaluer nos besoins. Comme je l'ai un peu dit, pour choisir nos données, nos partenaires techniques, une des premières questions qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec vos données ? Puis nous, on était partis dans un projet de participation citoyenne où on ouvrait nos données pour que les gens les réutilisent, etc. Mais on n'est pas en mesure, on voit pas, c'est difficile quand on n'a pas les compétences de voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc ça, on travaille avec nos partenaires, et on va travailler avec probablement Polytechnique Montréal qui va nous aider, qui va analyser nos données pour nous faire des suggestions en fait d'utilisation. Parce qu'on va pouvoir voir ce qu'on veut faire avec, mais on pensera pas, il y a des choses auxquelles on pensera pas, probablement des choses plus pertinentes auxquelles on pensera pas nous-mêmes. Enjeu en termes d'expertise technique. Donc, on se sent un peu seul. C'est sûr qu'on a du mal à trouver de l'expertise qui puisse venir en interne chez nous, former l'équipe. Donc, ce qu'on va faire pour ce qu'on va faire pour la deuxième phase, c'est qu'on va tout ce qui est vraiment expertise technique, on va l'externaliser. On va faire appel vraiment à des consultants, comme je dis probablement Polytechnique, qui va nous apporter les savoirs. Mais en interne, on va plutôt embaucher quelqu'un qui est capable de modéliser nos données, donc qui a plus des connaissances en termes de contenu, des connaissances en termes d'institutions culturelles aussi, qui s'insèrent dans le milieu. Puis lui qui va pouvoir voir une personne qui va pouvoir faire le lien avec l'expertise technique externe. Donc ça, c'était quelque chose j'avais mal évalué au départ. Donc j'ai voulu prendre quelqu'un de très technique. Puis finalement, on va essayer avec la deuxième phase, voir si ça fonctionne mieux avec quelqu'un qui est plus peut-être en bibliothéconomie, qui maîtrise plus les données elles-mêmes, puis qui va se plonger dedans. Donc je vous dirai, vous verrez dans un ou deux ans ce que ça donne. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'à force de parler de formation interne, d'expertise technique, à un moment donné, on en oubliait un peu le projet initial qui était de valoriser les artistes, finalement, nos artistes dans les projets Wikimedia, de faire de la participation citoyenne. Donc on a réintégré, on a toujours continué, mais il a fallu vraiment se redire, bon, attendez, là, on est en train de s'éloigner de notre projet, donc on revient aux origines. Donc on a organisé 11 événements Wikipédia, et donc on a invité 32 artistes au final sur l'année depuis septembre 2018. Donc on les a photographiés, on les a intégrés dans Wikimedia Commons. Tout ce projet-là a continué. La seconde phase, donc ça va commencer normalement. Donc l'objectif va être de développer un prototype justement pour
On va sélectionner un corpus de données, on a sélectionné un corpus de données qu'on va rendre dans les, accessible dans les formats RDF, et on va essayer surtout de construire un outil de visualisation de ces données qui soit accessible et qui parle à l'équipe. Parce que quand on montre à l'équipe ou aux citoyens des schémas de modélisation de données, de RDF, c'est bien, on a avancé, mais ça parle pas du tout. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil de visualisation pour voir. Et on revient dans cette tension entre former l'équipe et en même temps développer technologiquement pour que l'équipe apprenne en même temps. Donc ces deux phases-là se développent vraiment en parallèle. Ça, c'est quelque chose ici qu'on avait mal évalué dans notre phase, parce qu'on s'était dit, en phase 1, on forme l'équipe, phase 2, on se lance dans la technologie, mais non, c'est vraiment en parallèle, les deux en même temps. Sur 3 ans, il faut vraiment le temps pour former l'équipe à l'interne. Donc, dans les orientations techniques, on s'est dit, on va vraiment nous concentrer sur Wikidata de sûre. On va s'arranger pour verser des données dans Wikidata. Ça, c'est clair pour nous. Et puis, on va essayer de construire un point d'accès Sparkle également pour nos données, en travaillant notamment probablement avec le modèle CDOC-CRM. Donc, on est en train d'évaluer. C'est pas sûr qu'on aille là-dedans parce que c'est très complexe pour nous. C'est très demandant en termes de temps et d'expertise technique. Et puis, créer des identifiants uniques. Je me dépêche parce que je dois terminer. Donc, on va continuer sur le développement interne-externe. On va organiser des rencontres professionnelles à partir de septembre pour justement faire venir avoir des retours d'expérience du Canada ou d'autres, formation interne, appliquer notre politique d'ouverture de données et continuer nos analyses juridiques. Puis, on va toujours avoir la partie participation de la communauté, notamment en repensant nos événements pour amener là les gens à s'approprier nos données. Donc ça va être un gros défi également. Et je terminerai simplement avec le fait que ce projet-là, on le voit vraiment grossir, parce que plus on se plonge dedans, plus on forme l'équipe, plus on a des retours de l'équipe qui nous dit « Ah, mais on pourrait faire ci, ah, mais on pourrait faire ça ». Donc, il y a tous nos projets qui commencent à intégrer le web sémantique, donc c'est vraiment génial, mais ça prend des proportions gigantesques. Donc, par exemple, on est en train de changer notre base de données, donc là, on se dit « Ah, là, on va peut-être pouvoir faire en sorte d'exporter des données de manière à ce qu'elles soient interopérables. Après, on va peut-être mettre des métadonnées juridiques aussi dans notre base de données pour mieux maîtriser nos données, nos contenus. On a des projets de numérisation maintenant, d'ailleurs, c'est une condition pour avoir la subvention qui nous oblige à ouvrir les données liées au contenu numérisé, ce qui est très bien. Donc, on va le faire aussi. Donc, il y a vraiment tout qui commence à prendre de l'ampleur là-dedans et qui s'intègre vraiment au projet de la Cinémathèque. Donc, j'espère que ça va continuer.